Yo, salut à toutes et à tous, c'est Darknia102 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le let's play de Pokémon Lune. Ah bah ça commence bien. Je veux un Pokémon rare, j'irai jusqu'au bout du monde pour en trouver un. Jusqu'au bout du monde. Ah, celle-ci le prend. Remets-toi dans ta chien. Allez. Oh, Flamini. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a écrit que Flamini a envie de retourner se coucher. Flamini utilise la mèche. Oula. Encore, Flamimi utilise Flamèche. Allez, on va vite en finir. Hein. Ok. Ouais, pas beaucoup. Flamimi utilise morsure. Oh! Ok, c'est pas là, je me suis trompée. Lol. On va faire un petit tour au centre Pokémon avant de retourner au foyer. Oh non, c'est pas vrai. Oh, je vous attendais pas de si tôt, les mioches. Bon, les gars, puisqu'apparemment vous avez du mal contre des enfants. Ah bah, vous voyez, c'est bon. Oh yes. Bon, c'est déjà ça. Mais j'ai rien pour soigner. Attendez, faites. Non.
Ah, ça y est, une béquica. Ça, ça soigne de la confusion. Tiens, toxique, c'est pour toi. Non! Attaque. Allez, encore. Attends, mince, j'appuie sur B. Aïe. Très bien. Allez, je prends notre enfer. Oups, j'ai peut-être oublié ce petit détail de tout à l'heure. C'est vrai que je l'ai affronté lui juste à l'instant, juste avant elle. Ma mère qui est rentrée là ou quoi? Ah mince! Bon allez. Allez, Mimitis! Ouais. Bon allez, tant pis, je prends le plus fort, comme ça on termine. Mais non, mais pas lui! Allez, Flamimi, c'est à toi. Ah, c'est sûr, ma vieille.
sûr que je vais te ramener ton mangouton. Eh ben, on va encore faire un tour au centre Pokémon. Oh mince, je vais pas passer par là. Oups, j'avais pas vu. Putain, la dégueule. Je sais pas vous, mais moi, il me fait penser à Samy dans Foot de rue extrême. Pour ceux qui connaissent pas, bah, allez voir. Toxique, utilise toxique. C'est quoi ce bruit de canon? La Mimi utilise morsure. Ouh, ah ouais, vraiment super efficace. Oh, dommage que vous ne le voyez pas sourire, c'est plutôt mignon. What the fuck? Il se passe quoi si je diminue un autre?
La réponse, c'est vraiment ni l'un ni l'autre. Permets-moi de te donner un petit conseil. Lorsque tu chevauches Sharpedo, appuie sur le bouton B pour mettre le turbo et pulvériser les rochers sur ton passage. Oui, ça je connais. J'en profite également pour te mettre en garde. Au-delà de la route 7, se trouve la ville de Kokoyo. C'est le repère de la Team School. N'y va que si tu es prête à en découdre. Ah, mais je suis prête à en découdre, moi! Attendez. Ah voilà, Sharpedo. Et en plus, il va extrêmement vite. Le turbo pour accélérer un peu. C'est ici ou pas? Ouais, je crois pas. Hey, ça commence à bien faire, laissez-moi tranquille.
Oups. On dirait un lapin, trop mignon. Attends, regarde-moi, c'est quoi? Ouais, non, c'est bon, hein. Ça doit être ça, lui. Oh, j'en ai marre. Non, je suis pas sûre, mais ça doit être ça, non? Ah bah si. Faire le tour? Non, faut passer par en dessous. Oh, je connaissais pas ça. Je crois. Bon, où est-ce qu'il est? Où tu repères? Attendez, je vois un petit chemin par là. Ah! Que c'est ça? Jardin boulot là.
Ça, désolé. Alors, lequel je préfère? Je préfère celui-là, on le voit mieux. Oh, trop bien! J'ai vu un commentaire où il y a écrit: j'espère que tu n'as pas marché sur des fleurs. Non, rassure-toi. Oh! Ah, Zygarde! Et c'est parti! Et qu'est-ce que c'est que ça? Et hop, une Becca contre la confusion. Et une. Mais attends, il fait que... Putain. On va voir Dracourage. Oh, j'en ai assez, hein. Allez, on en finit vite, hein.
comme ça, toi. Et je vous jure que si jamais elle fait remonter ses points de vie, je rage quitte. Je rage quitte. Ah ben c'est pas le cas ma cocotte. Bon voyons voir cette espèce de truc qui brille. Ah non, j'en ai assez, moi je m'en vais. D'ailleurs ça fait 33 minutes, va falloir que j'y aille. Laisse-moi tranquille. Bon, on sauvegarde. Eh ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, laissez un pouce bleu, un commentaire, partagez sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne. Bon, ben, je vous dis hasta la vista, les poulets!